Bonjour à tous. Dans le 41e pratique, nous allons examiner l'examen du fonctionnement d'une mémoire lecture-écriture de type statique. Troisième expérience. Examen du fonctionnement d'une mémoire lecture-écriture de type statique. Dans cette manipulation, vous allez utiliser le circuit intégré ASM6116P4 ou ASM6116P2 ou encore TC5517APL2, qui est une mémoire lecture-écriture de type SRAM, c'est-à-dire à accès aléatoire, ce qui signifie que l'accès à chaque cellule de mémoire est possible directement sans aucun ordre préétabli. Le temps nécessaire pour lire ou écrire une donnée dans une cellule ou temps d'accès est donc indépendant de l'adresse de celle-ci, ce qui n'est pas vrai pour une mémoire à accès série. Le temps d'accès typique est égal à 200 nanosecondes. La capacité de la mémoire est de 2K multipliée par 8. Elle contient donc 2048 multiplié par 8 égale 16384 cellules de mémoire. Celles-ci sont disposées en groupes de 8. C'est-à-dire que s'écrivent ou se lisent 8 bits simultanément. Ils constituent un mot mémoire de 8 bits généralement appelé byte. On dit couramment qu'une telle mémoire est une mémoire de 2K bytes, se prononce kilobyte. Le circuit intégré considéré est réalisé en technologie CMOS et nécessite une alimentation de 4,5 à 5,5. Les tensions d'alimentation supérieures à plus de 5,5 peuvent endommager irrémédiablement le circuit intégré, alors qu'avec des tensions inférieures à plus de 4,5 V, le fonctionnement normal n'est pas garanti. Le composant en question est relativement compliqué à utiliser, même si son fonctionnement de principe est simple. En conséquence, les expériences qui suivront prévoient des montages d'une certaine complexité. Cependant, si vous suivez scrupuleusement les instructions fournies, vous n'aurez aucun problème. Voyons tout d'abord quelles sont les caractéristiques de la mémoire que vous allez utiliser.
Description de la mémoire SRAM ASM6116P4 ou TC5517APL2. Le schéma synoptique simplifié de la mémoire en question est représenté figure 24. Son schéma de brossage est représenté figure 25 sur notre scène communauté. En examinant le schéma synoptique, on remarque tout d'abord 11 entrées d'adresse repérées par les lettres A0 à A10. Dans la théorie 12 de notre scène électronique digitale, vous avez vu que pour pouvoir écrire ou lire des données dans une mémoire, il est nécessaire de l'adresser, c'est-à-dire indiquer dans quelle cellule ou groupe de cellules les données doivent être lues ou écrites. En effet, une mémoire est formée de très nombreuses cellules disposées en lignes et colonnes de façon analogue au tiroir d'un meuble de rangement tel que celui représenté à la figure 26. Le meuble représenté dans cette figure est très petit et ne dispose que de 10 tiroirs. Chaque tiroir est repéré par un chiffre et contient une information. Les informations peuvent être écrites sur des cartes rangées dans les différents tiroirs. Lorsque l'on doit récupérer une des informations, il est nécessaire pour celui qui doit la prélever de connaître le numéro de tiroir qui la contient. De la même manière, pour lire ou écrire dans la mémoire, un des 2048 mots de 8 bits qu'elle peut contenir, il est nécessaire d'en indiquer l'adresse. Dans ce cas, on se sert des entrées d'adresse qui sont au nombre de 11, puisqu'avec 11 bits, on peut obtenir 2048 combinaisons différentes. 2 puissance 11 égale 2048. Poursuivons l'examen du schéma de la figure 24. Nous pouvons voir la mémoire proprement dite et ses étages d'entrée et de sortie. On voit que, selon la fonction à accomplir, les mêmes bornes servent d'entrée et de sortie. Les bornes d'entrée-sortie sont repérées par les sigles I, O1, A, IO8, IO pour input, output, c'est-à-dire entrée-sortie.
L'ordre d'écriture ou de lecture est donné au moyen du signal de commande WE bar. Lorsque cette entrée est au niveau L, la mémoire est prépositionnée pour l'écriture. Les bornes IO sont donc des bornes d'entrée. Si cependant WE bar est au niveau H, la mémoire est prépositionnée pour la lecture et les bornes IO sont des bornes de sortie. Deux autres entrées de commande sont également prévues, OE bar et CS bar. La première OE bar valide ou interdit la sortie. En effet, OE bar signifie Output Enable, validation de la sortie. Lorsqu'elle est au niveau L, il est possible de lire les données dans la mémoire. Lorsqu'elle est au niveau AS, la sortie est interdite et isolée, haute impédance. En effet, ce circuit intégré comme le buffer bidirectionnel de la première expérience est du type TriState. Ainsi, on peut relier plusieurs mémoires sur un bus unique. Je répète. En effet, ce circuit intégré comme le buffer bidirectionnel de la première expérience est du type TriState. Ainsi, on peut relier plusieurs mémoires sur un bus unique. L'autre entrée de commande CS bar est au niveau bas, la mémoire est sélectionnée et on peut lire et écrire selon les besoins. Quand cette entrée est au niveau haut, on ne peut ni lire ni écrire dans la mémoire. La figure 27 représente les deux cas, lecture et écriture. En écriture, WE bar se trouve au niveau L.
tandis que E, OE bar, se trouve au niveau As. À l'inverse, pour la lecture, WE bar. Se trouve au niveau H et OE bar se trouve au niveau L. Dans la figure 28. Cependant, on peut voir le cas où l'état des entrées de validation ne permet ni lecture ni écriture. WE bar se trouve au niveau As et OE bar se trouve au niveau As. Et CS bar se trouve au niveau L. Donc, la sortie se trouve en haute impédance. Par conséquent, la sortie est bloquée, que vous verrez avec deux traits verticaux pour indiquer que l'entrée et la sortie se trouvent en haute impédance. Réalisation du montage. Supprimer toutes les liaisons concernant l'expérience précédente et enlever le circuit intégré de la matrice à contact. Insérer sur la matrice les circuits intégrés SM 6116P4 ou SM 6116P2 ou encore le TC 5517APL2 mémoire SRAM de 2 kilobytes multiplié par 8 ou 4 kilobytes selon vos besoins en mémoire. Et CD 4040, compteur à 12 bits, ainsi que le circuit intégré de 4 portes Nord de type MM74C02 dans les positions indiquées à la figure 29. Le schéma électrique du montage effectué, figure 29, et le schéma synoptique correspondant sont indiqués, figure 29B. Le montage que vous avez réalisé comprend le compteur à 12 bits, expérimenté précédemment,
concernant la vidéo numérotée 300, modifiée de telle sorte qu'il n'est plus que 10 bits, ce que l'on réalise en reliant la sortie Q11 à l'entrée reset. Les sorties du compteur sont reliées aux entrées d'adresse de la mémoire. De cette façon, le compteur sélectionne la case mémoire qui doit être lue ou écrite. Son adresse peut être lue sur les deux afficheurs Display 0 et Display 1. En respectant la correspondance suivante. Un emplacement de mon crayon noir vous indique la LED A9 égale DP1. La LED A8 égale DP0. L'afficheur 10.1 DIS égale A7, A6, A5, A4 correspondant D1, C1, B1, A1 de l'afficheur Display 1. DIS. À l'emplacement de mon crayon noir, vous indique la LED A9. Égale DP1, la LED A8 égale DP0, l'afficheur DI10-1 DIS égale A7, A6, A5, A4, correspondant D1, C1, B1, A1 de l'afficheur Display 1. A signifie simplement adresse. Je répète. À l'emplacement de mon crayon noir, vous indique la LED A9 égale DP1, la LED A8 égale DP0, l'afficheur 10.1 DIS égale A7, A6, A5, A4 correspondant D1, C1, B1, A1 de l'afficheur Display 1. A signifie simplement adresse. Toujours à l'emplacement de mon crayon noir, vous indique l'afficheur 10.0
DIS égale A3, A2, A1, A0, correspondant D0, C0, B0, A0 de l'afficheur display 0. Le bit de l'adresse A9 est représenté par la LED verte où le point décimal DP1 de l'afficheur 10.1, le bit A8 est représenté par la LED rouge où le point décimal DP0 de l'afficheur 10.0. Ces deux points sont deux indicateurs correspondants aux LED vertes et rouges qui s'allument lorsque le bit vaut 1 et s'éteignent quand celui-ci vaut 0. Les bits A7 à A4 sont affichés sous forme hexadécimale sur 10.1, ceux de A3 à A0 sont donnés par 10.0. Remarquez que l'on utilise ici seulement 10 des 11 entrées d'adressage et la mémoire, ou plutôt de la mémoire. En effet, la broche 19 correspondant à l'entrée A10 est reliée à la masse et se trouve en permanence au niveau L. Ainsi, la capacité de la mémoire, elle se trouve qu'à moitié exploitée, ce qui la ramène à 1K multiplié par 8 bits, soit 1024 multiplié par 8, égale 8192 bits. Cette limitation d'emploi imposée par le nombre de témoins lumineux disponibles sur certains simulateurs se révèle avantageuse en pratique car elle rend plus simple et plus rapide l'opération d'adressage de la mémoire. On peut se demander pourquoi un compteur est utilisé pour adresser la mémoire. La raison en est simple. Le simulateur ne dispose pas d'un nombre de commutateurs suffisant pour cela. Il en faudrait 10. Soit autant qu'il y a de bits d'adresse.
Dans ce cas, l'emploi d'un compteur est très commode parce que l'on peut faire défiler automatiquement les adresses de la mémoire les unes après les autres. La porte nord disposée à l'entrée. Du compteur et sert justement à cela. Selon le niveau P0 front descendant, elle laisse passer ou bloque le signal rectangulaire délivré par l'horloge. Les données entrant ou sortant de la mémoire sont visualisées par les 8 LED L0 à L7. Selon la convention habituelle, le 1 est indiqué par une LED allumée et le 0 par une LED éteinte. Allumer le simulateur et observer les afficheurs. Ils indiquent un nombre quelconque qui dépend de l'état aléatoire auquel passe le compteur à l'instant de la mise sous tension. Ce nombre indique l'adresse mémoire que l'on est en train d'examiner. Dans la table de la figure 30, sont indiqués quelques exemples de la correspondance entre l'adresse les nombres lus sur les afficheurs. 1-1 donne les colonnes, dans les colonnes de DP1 et DP0 indique que ceux-ci sont allumés. 1-0 indique qu'ils sont éteints. La traduction en décimale de l'adresse à partir de la valeur hexadécimale donnée par les afficheurs n'est pas difficile. Il suffit de traduire le nombre hexadécimal en nombre binaire et faire ensuite la conversion en décimale. Par exemple, l'adresse 10B6. L'indication donnée par l'afficheur DP1 égale 1 DP0 égale 0 10-1 égale B, 10-0 égale 6. Nombre binaire, 1 est égal à 1, 0 est égal à 0.
10-1 égale 1011, 1-0-1-1, 10-0 égale 0-110, 0-1-1-0. Nombre décimal, le dernier 1, qui se trouve à gauche, vaut 512 plus 0 plus 128 plus 32 plus 16 plus 4 plus 2 égale 694 en décimale. Il n'est cependant pas absolument nécessaire d'effectuer cette conversion. On peut conserver l'indication des afficheurs comme le montre la table de la figure 31 de notre scène communauté. On reviendra par la suite sur les théories digitales concernant la conversion en hexadécimal, puis binaire et décimal. Mettez SW0 sur la position 1. Vous positionnez ainsi la mémoire en lecture grâce à la commande WE bar. Mettez SW1 sur la position 0. De cette façon, la sortie des données de la mémoire est validée au moyen de OE bar. Mettez SW2 sur la position 0. La mémoire est ainsi validée dans son ensemble. La mémoire est maintenant prête à la lecture. Ces sorties sont reliées au LED. Observez-les. Elles indiquent en code binaire le contenu de la position mémoire dont l'adresse est visualisée par les afficheurs. L'indication des LED correspondant au contenu d'une position mémoire. Ce contenu est aléatoire car lorsque l'on branche l'alimentation, la mémoire indique un état quelconque pour chacune de ces cases élémentaires ou positions. Il est possible que toutes les données soient à zéro, bien que cette éventualité soit assez peu probable. Lisez à présent le contenu de la position mémoire qui suit celle que vous avez déjà examinée. Pour le faire, il est nécessaire de sélectionner
changer l'adresse en procédant comme décrit ci-après. Appuyez sur le bouton P0. De cette façon, le signal d'horloge de fréquence de 1 Hz traverse la porte nord et attaque le compteur qui s'incrémente d'une unité chaque seconde et fait donc progresser d'autant la position mémoire. Ainsi, on peut générer chaque adresse de la mémoire et lire les bits qu'elle contient. La procédure est lente, en effet, elle nécessite au total 1024 secondes, soit plus de 17 minutes. Relâchez P0. Si vous désirez examiner le contenu correspondant à une certaine adresse sans avoir à attendre trop longtemps, vous pouvez rendre la recherche plus rapide en augmentant le rythme avec lequel le compteur s'incrémente. Pour cela, il suffit d'utiliser la sortie 10 Hz du générateur d'horloge en changeant la valeur de la résistance de 1 mégaohm et en mettant à la place une valeur de 100 kΩ. En supposant par exemple que vous vouliez lire les bits contenus à l'adresse 00F0, vous devez procéder comme suit. Disposez le premier générateur d'horloge sur 10 Hz et appuyez sur P0. Lorsque vous approchez de 00F0, quand vous verrez par exemple les adresses de 00C0 à 000F, arrêtez l'incrémentation en relâchant P0 du simulateur. À partir de là, poursuivez la recherche de l'adresse plus lentement en disposant le générateur d'horloge sur la fréquence de 1 Hz.
Appuyez sur P0 et lorsque 00F0 sera atteint, relâchez-le. Vous pourrez, en observant l'indication des LED, lire la donnée emmagasinée à cette adresse. Les adresses se lisent dans ce sens-là. 0, 1, 0, 0. Et vous avez donc à cette adresse la LED éteinte. Là, nous avons 1, 1, 0, 0. Et le contenu de l'adresse 1, 1, 0, 0, les LED sont éteintes.
Ici, vous avez donc 1, 1, F, B, et le contenu se trouve 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Vous avez donc 8 bits dans le contenu. FB, à l'adresse FB, c'est-à-dire 1, 1, FB, exactement. Ce sont les adresses, hein, donc je répète, 1, 1, FB. Le contenu se trouve sur les LED. Toujours à la même adresse, 1, 1, F, F, nous avons bien F et F en hexadécimal. Donc toutes les LED sont allumées. Éteignez le simulateur. Je répète une phrase. Appuyez sur P0 et lorsque 00 F0 sera atteint, relâchez-le, vous pourrez, en observant l'indicateur des LED, lire la donnée emmagasinée à cette adresse. Éteignez le simulateur. Avec cette expérience, vous avez accompli un premier pas vers la connaissance d'une mémoire. En apprenant comment on procède pour en lire le contenu, ne connaissant pas encore la procédure pour écrire dans la mémoire, vous avez seulement pu lire ce qui a été inscrit au hasard dans les positions de celle-ci, lors de la mise sous tension. En résumé, la procédure de lecture du contenu de la mémoire est la suivante. On cherche l'adresse d'abord plus rapidement 10 Hz, puis plus lentement 1 Hz. En appuyant sur P0, on incrémente l'adresse. On se prépare pour la lecture en commutant SW0 sur la position 1. On valide la sortie des données en commutant SW1 sur la position 0. On valide la mémoire dans son ensemble en basculant SW2 sur 0. Conclusion. La porte nord laisse passer la fréquence rectangulaire soit 1 Hz, soit 10 Hz, selon la vitesse de lecture que l'on veut, tout en appuyant sur P0. Le compteur d'adresse CD4040 permet de balayer les adresses mémoire pour lire leur contenu sur les LED en code binaire. Cette pratique étant terminée, la suivante sera consacrée à l'examen des essais d'écriture dans la mémoire et effacement de la mémoire TC5517APL2.
ou ASM6116P4 ou encore ASM6116P2 que l'on fera sur notre simulateur, car il ne sera impossible de faire cette expérience sur l'Arduino à cause des mauvais contacts et de nombreuses liaisons filaires. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. À bientôt. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. À bientôt également et bonne fin de soirée.